Que j'ai utilisé pour faire cette couverture. C'est le point Bavarian. Regardez, c'est un joli point. Et c'est une couverture multicolore. Vous avez vu les images au début de la vidéo. Donc, on va faire ce point-là. J'ai fait un petit échantillon. Comme je disais, ce point Bavarian se fait en général en couleurs. Différentes couleurs. Donc là, j'ai utilisé que deux couleurs. On peut continuer comme vous voulez, soit avec deux couleurs, sinon plus. Donc, ce point, on commence par faire un cercle, puis des doubles brides. Vous devez savoir comment faire les doubles brides, sinon on va voir ensemble. Donc, je commence par la couleur verte. On prend un crochet, si pour la laine. Il est recommandé de faire un crochet numéro 4. Donc pour faire ce point et que ce soit pas trop serré, vaut mieux prendre un numéro plus grand, 4,5, même 5. Pour ma part, je vais travailler avec ce crochet, c'est le numéro 5,5. Donc je commence par faire mon cercle magique. Voilà, et vous faites un nœud, il est serré. Donc je commence. Premièrement, on commence par faire une maille serrée dans le cercle et 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. Après, je vais faire des doubles brides. On va faire des doubles brides crochetées ensemble. On va voir comment. Donc j'ai fait deux jetés. Je m'introduis dans le cercle, je tire, je fais un jeté, je laisse tomber deux boucles, un jeté, je laisse tomber deux boucles et je garde les deux sur le crochet. Je fais deux jetés, je vais faire la deuxième double bride. Donc je fais la même chose, un jeté, je laisse tomber deux. Voilà, j'ai maintenant trois mailles sur le crochet. Je vais aller faire deux tours de fil sur le crochet pour aller faire ma troisième double bride. Et je m'arrête là pour aller faire encore deux tours de crochet et aller faire ma quatrième double bride. Voilà, j'ai à la fin, j'ai 2, 4, 5 mailles sur le crochet. Je fais un jeté et je les laisse tomber ensemble. Ensuite, je vais faire 5 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5. Et je m'introduis dans le cercle magique, je fais une maille serrée. Voilà mon premier ensemble, mon premier groupe de double bride. Je fais encore, je vais faire encore trois fois la même chose. Donc je vais faire 5 mailles chaînettes, 1, 2, 3, 4, 5. Je commence les doubles brides maintenant, donc je fais deux tours de fil, je m'introduis dans le cercle, je fais un jeté, je laisse tomber deux boucles, un jeté, je laisse tomber deux, et je garde la dernière boucle sur le crochet. Donc je fais encore deux tours de fil, et je vais aller faire ma deuxième double bride, et je garde la dernière maille sur le crochet.
Donc, deux tours de fil, je m'introduis, je fais un jeté, je laisse tomber deux, un jeté, je laisse tomber encore deux, et je garde la dernière sur le crochet, deux tours de fil, je vais aller faire ma quatrième double bride, et je fais la même chose que tout à l'heure. Okay? Donc, maintenant, il me reste 2, 4, 5 mailles sur le crochet, je fais un jeté, et je les laisse tomber en une fois. Voilà mon deuxième ensemble. Maintenant, je vais faire 5 mailles chaînettes. 3, 4, 5. Et une maille serrée dans le cercle. Vous voyez, on a fait notre deuxième ensemble de double bride. Il nous reste à faire deux autres encore. Je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5 et 4 double brides. Vous faites les ensembles, les deux ensembles qui restent et on se retrouve. Donc j'ai fait mes 4 pétales. Il me reste à faire les 5 mailles chaînettes. Voilà, j'ai 5 mailles chaînettes. Je vais sur la première maille serrée qu'on avait fait tout au début. Je m'introduis dans la maille serrée. Celle-là, elle est ici. Donc, dans la maille serrée, je m'introduis, je fais une maille coulée. Voilà, notre premier rang est terminé. Maintenant, on ferme notre cercle magique en tirant sur le fil. Tirez. On continue. On va faire... Maintenant, une maille chaînette. On fait une maille chaînette et sur la maille serrée du rang précédent, on insère le crochet et on fait une autre maille serrée. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller. Vous voyez les mailles chaînettes. Vous avez une maille ici, une maille où on a nos mailles chaînettes et cette maille-là. Nous, on va s'introduire, on va entrer dans cette maille-là. Regardez, vous avez vos brides et vous avez vos mailles chaînettes ici. Et vous avez un petit trou ici. Dans ce trou-là, on va travailler. On va faire 12 doubles brides séparées par une maille chaînette. Toutes les quatre doubles brides séparées par une maille chaînette. On va voir ensemble. Ça va être un peu tordu, c'est pas grave, ça va se résoudre après. Okay. Donc je fais deux tours de fil sur le crochet. Je commence mes doubles brides, je m'introduis dans ce petit trou et je commence ma première double bride. Et cette fois je complète mes doubles brides. Je laisse tomber deux, je laisse tomber deux et les dernières. Voilà, regardez, maintenant on a 1, 2, 3, 4 doubles brides. On a 4 doubles brides, 1, 2, 3, 4. Okay? Donc je fais une maille chaînette, je tourne le fil deux fois et je vais au même endroit pour faire 4 autres doubles brides. Voilà, vous avez maintenant 2, 4, une maille chaînette, 2, 4, une maille chaînette et je recommence. Je fais deux fois le tour du crochet et je commence 4 autres doubles brides sur le même point.
Voilà, ça c'est un coin. On a fini un coin, on a fini de faire un coin. Donc après, vous voyez ici, entre les deux pétales qu'on avait tout à l'heure, il y avait une maille serrée. Donc je vais aller dans la maille serrée et je vais faire une maille serrée. Donc, et on recommence, on fait la même chose. Vous voyez, on a les 5 mailles chaînettes, les 4 double brides et les 5 mailles chaînettes. Elles sont réunies ici. Voilà le point où on va travailler, dans ce petit trou-là. On va faire encore 12 double brides séparées par une maille chaînette, chacune, les 4 brides séparées par une maille chaînette. Donc, je fais 2 tours. Du crochet et je vais aller dans ce petit trou là et je fais ma double bride. Ne vous en faites pas si votre travail se tord comme ça, après il deviendra comme ça. Vous voyez ici, c'est la même chose. Après, c'est tout seul que ça devient comme ça. Donc, voilà, je fais 2 double brides, je continue. Donc, vous faites trois fois 4 double brides séparées par une maille chaînette dans chaque coin. Voilà, j'ai fait 4 double brides. Donc là, je sépare par une maille chaînette. Et je recommence à faire 4 double brides encore dans le même point. Donc j'aurai les 4 coins comme ça. Les 4 coins sont comme ça. Et sur les 2 pétales qui restent, on va faire la même chose. Donc une maille chaînette et encore il reste un groupe de 4 mailles chaînettes à faire. Deux, un, j'ai dit un groupe de 4 double brides. Voilà. Voilà, j'ai fait mes 3 groupes de 4 double brides. Voilà, ici 4, 1, 2, 3, 4 séparés par une maille chaînette, 1, 2, 3, 4 séparés par une maille chaînette, et 1, 2, 3, 4. Donc voilà ce que j'ai. J'ai travaillé sur les deux pétales que j'avais ici. Il nous reste ces deux-là à faire. Donc vous faites dans ce petit point-là, dans ce petit point qui se trouve ici, pas sur les mailles chaînettes, pas sur ici, dans ce petit point-là de réunion des double brides. Donc, vous vous introduisez dans ce point. Regardez, il est là. C'est ce petit point-là. Je vous montre. Voilà, vous avez. C'est là où s'unissent les 4 double brides. Sous la maille chaînette, ici. Donc, vous vous introduisez là et vous faites les 4 groupes de double bride séparés par une maille chaînette dans ces coins-là, dans ce point-là et dans ce point-là, vous faites là. Et quand vous finissez vos groupes de double bride, vous allez sur la maille serrée du rond précédent. Ici, on avait séparé ces pétales par une maille serrée. Donc vous vous introduisez sous la maille serrée, sous la maille chaînette de la maille serrée et vous faites une maille serrée. Donc ces groupes-là sont séparés par une maille serrée. Vous faites ça, vous arrivez là et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé les 4 coins, j'ai fini. J'ai fait ma dernière double bride. Je vais donc chercher la maille serrée du rond précédent. J'introduis le crochet et je fais une maille coulée. Voilà. Maintenant, je vais couper le fil. J'ai terminé avec cette couleur, je change de couleur. Voilà ce que vous devez obtenir. Je prends l'autre couleur
et je fais un petit nœud. Je prends n'importe quel coin, n'importe lequel, celui que vous voulez. Vous avez les quatre brides là, ensemble, une maille chaînette, quatre doubles brides, une maille chaînette, quatre doubles brides. Donc je vais ici, je laisse quatre doubles brides et je m'introduis dans la maille chaînette ici. Donc je prends l'autre fil. Donc voilà, j'ai mon fil maintenant ici dans la maille chaînette. Je vais faire une maille serrée. Je fais une maille serrée. Ensuite, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, on va travailler sur ces 4 doubles brides là, du coin. Donc, je fais deux fois le tour du crochet. Mais maintenant, je ne vais pas faire une double bride normale. Je vais l'envelopper par derrière. Voilà. J'introduis mon crochet du bas vers le haut et j'enveloppe la double bride et je sors par derrière du travail. Je fais un jeté et je tire. Voilà. Et vous avez quatre boucles sur le crochet. Je fais un jeté, je laisse tomber deux. Je fais un jeté, je laisse tomber deux. Et je garde deux sur le crochet. Je recommence. Je fais deux fois le tour du crochet. J'enveloppe la deuxième double bride par derrière. Donc, j'ai mon crochet avec les deux tours du fil. Je l'introduis par le bas. J'enveloppe la double bride. Je sors le crochet par derrière, je fais un jeté, je tire. Voilà, j'ai 2, 4, 5. 5 brides, 5 mailles sur le crochet. Je fais un jeté, je laisse tomber 2. Un jeté, je laisse tomber 2. Et je garde l'autre sur le crochet. Donc j'ai maintenant 3 sur le crochet. Donc je recommence 2 tours du crochet. J'introduis le crochet par le bas et je passe devant la double bride, je sors après la double bride, je fais un jeté, je tire, voilà, je laisse tomber 2, ensuite 2, il me reste maintenant 2, 4 mailles sur le crochet, je fais encore parce qu'il me reste une double bride à travailler, je vais travailler sur 4 doubles brides, voilà, ça c'est les mailles chaînettes, 1, 2, 3, il me reste à travailler sur une autre, donc j'entre avant la double bride, par derrière, je passe devant, je sors après la double bride et derrière. Donc, et je fais un jeté, je tire. Voilà ça. C'est comme ça qu'on va travailler ces doubles brides-là. Maintenant, regardez, 2, 4, 5 mailles sur le crochet. Je fais un jeté et je laisse tomber les cinq mailles à la fois. Voilà ce que vous devez obtenir. Donc, 1... Je fais 5 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5. Et je vais aller. Et ici dans la maille chaînette suivante qui sépare ces 4 mailles et double brides, ici, je fais une maille serrée. On récapitule. Voilà ce qu'on a fait. On a attaché notre fil ici, dans le coin. On a laissé 4 doubles brides sur la maille chaînette. On a attaché notre fil. On a fait 5 mailles chaînettes et puis 4 doubles brides travaillées ensemble, réunies à la fin ensemble, mais travaillées par derrière, donc enveloppées par derrière. Donc, et après, j'ai fait 5 mailles chaînettes et j'ai fait une maille serrée sur la maille chaînette suivante. Voilà, maintenant on va travailler sur ces 4 brides de ce coin et les 4 brides de ce coin. Donc on va travailler sur 8 brides. 8 brides, on va les envelopper par derrière et on va les travailler ensemble. Donc j'ai fait ma maille serrée. Maintenant je fais 5 mailles chaînettes. 2, 4, 5. Je tourne le fil deux fois,
et je vais envelopper ces 8 mailles, ces 8 double braids. Je vais les envelopper toutes par derrière. Sans compléter, comme tout à l'heure. Sans compléter, je vais les, parce que je vais les travailler ensemble. On va les réunir ensemble. Voilà. Et on va sur les 4 brides de l'autre côté. Voilà la première. Ça va être un peu serré sur le crochet. Mais ça ira. Donc la deuxième, la troisième et la dernière. Voilà. Regardez, on a combien? On a 2, 4, 6, 8, 9. Donc on a 9 mailles sur le crochet. Je fais un jeté et je les laisse tomber toutes en une fois. Maintenant je vais faire mes 5 mailles chaînettes. 3, 4, 5 et je vais attacher ici. Donc les mailles chaînettes qui séparaient, je fais une maille serrée sur la maille chaînette qui séparait les 4 double brides là et les 4 double brides là. Maintenant on va travailler sur ces 4 double brides là. On va faire la même chose qu'ici. C'est dans ces coins là, dans ce milieu là. Entre les deux coins, on travaille 8 brides ensemble. Ici, on travaille 4 brides. Ici, on travaille 8 brides, 4 brides et 8 brides. Et 8 brides ici. Voilà. Donc, je fais encore 5, 3, 4, 5 mailles chaînettes. Et je vais envelopper les 4 brides du coin par 4 doubles brides qu'on va réunir ensemble. Donc on enveloppe les brides par derrière. Donc voilà, il me reste 5 mailles sur le crochet. Je les laisse tomber ensemble et je fais mes 5 mailles chaînettes. 2, 4, 5. Et là, je vais faire une maille serrée sur la maille chaînette suivante. Voilà ce que vous allez avoir. Je m'explique encore une fois. Voilà, ça c'est le coin. Quand on commence le troisième rang, on travaille sur le coin, 4 double brides prises par derrière. Et là, on va travailler entre les deux coins, on travaille 8 double brides travaillées ensemble, réunies ensemble, comme on a fait ici. Et puis ici, donc on arrive au coin, on a déjà travaillé ces 4 brides là, ces 4 double brides avec ces 4 là. Donc il nous reste à travailler 4 ici pour le coin, comme ici, comme celui-là et celui-là. Donc on travaille 4. Et puis ces 4 là, on va les travailler avec les 4 là, ces 4 là pour le coin et ces 4 avec ces 4. Et voilà, on n'a pas terminé. Ce tour là, on n'a pas terminé, on termine ce tour là. Donc, voilà, j'ai fait ma maille serrée. Maintenant, je vais faire mes 5 mailles chaînettes. 3, 4, 5. Ensuite, je prends le fil deux fois et je commence à faire mes doubles brides prises par derrière. Voilà. Deux. Ma troisième double bride. Voilà, on a maintenant 9 sur le crochet, 2, 4, 6, 8, 9 mailles.
Donc, on fait un jeté, on les réunit ensemble. Et je fais mes 5 mailles chaînettes. 2, 3, 4, 5. Et je vais m'attacher ici sur la maille chaînette suivante. Et je fais une maille serrée. Voilà, j'ai fait celle du milieu. Maintenant, on refait la même chose qu'ici. Donc, les 4 brides et les 5 mailles chaînettes de chaque côté. Les 4 brides prises ensemble ici. Et ici, 8 brides. Donc, que vous prenez ensemble. Et vous n'oubliez pas les 5 mailles chaînettes de chaque côté. Ici, les 4 brides. Et ici, les 8 brides. Et on se retrouve ici. Voilà, j'ai terminé le tour. Ce tour-là. Donc, c'est ce tour où on avait changé de couleur. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est dans ce tour-là, on travaille les doubles brides. En les enveloppant par derrière et en les unissant. Donc on les travaille par groupe. Donc j'arrive là, j'ai fait mes 5 mailles chaînettes. 2, 4, 5, voilà. Je vais ici sur la maille serrée du rang précédent, j'insère mon crochet, je fais une maille coulée. Donc on va commencer le rang suivant. Donc rappelez-vous, dans les coins, on a travaillé 4 doubles brides réunies ensemble. Et dans les côtés, ici les côtés-là, on a travaillé 8 doubles brides réunies ensemble avec les 5, chacune est séparée par les 5 mailles chaînettes. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va travailler le deuxième tour de la deuxième couleur. Donc, je vais faire une maille chaînette. Je vais et une maille chaînette et une maille serrée dans la maille serrée. Je serre un peu mon fil. Je vais faire une maille serrée dans la maille serrée. Maintenant, on va travailler dans le coin. Rappelez-vous, le rang précédent, on avait fait 8 doubles brides dans le même coin. Il était rond comme ça. Il va s'arrondir comme ça dans ce rang. Donc, un rond, le coin. Il est travaillé avec 4 doubles brides prises enveloppées par derrière et séparées par les 5 mailles chaînettes. Le rang suivant, on fait 8 doubles brides et où? Mais ici dans ce point-là, dans ce petit point-là. Donc, on va faire la même chose. Les doubles brides ici sont réunies, sont incomplètes et réunies ensemble. Dans le deuxième rang, on complète. Les doubles brides, on les travaille correctement jusqu'à la fin. Donc, on va travailler. Je m'introduis dans le trou là et je vais faire 4 doubles brides. Une, deux, une et deux. Ma deuxième double bride. Troisième double bride. Et la quatrième. Et la quatrième double bride, je vais la séparer des autres par une maille chaînette. Donc je fais 4 autres doubles brides. J'en ai fait une, deux, trois, il me reste à faire une autre. Voilà, j'ai fait 4 doubles brides, une maille chaînette, 4 doubles brides, une maille chaînette, et je vais faire 4 doubles brides. Là, j'ai 4, une maille chaînette, 4, une maille chaînette, 4, une maille chaînette
dans un coin. Donc, et là, je vais faire, vous voyez la maille serrée qu'on avait fait le rond précédent, je vais faire une maille serrée sur cette maille serrée. Et maintenant, je vais travailler le côté. J'ai travaillé le coin, maintenant c'est le côté qu'on va travailler. J'ai fait une maille serrée, maintenant je commence les double brides. Vous voyez là, où est-ce qu'on va travailler, on le voit, et vous tirez les fils, vous avez votre trou, il est là. Dans ce trou-là, on va travailler. Donc, je fais deux tours de fil et je viens faire les doubles brides ici. J'ai 8 doubles brides, je vais faire 8 doubles brides. Je vais faire 4 doubles brides premièrement. Donc, ça, c'est le maille chaînette du rang précédent. Donc, j'ai fait 2. 3 et 4. Je fais une maille chaînette et je recommence les 4 autres doubles brides. Dans le même endroit, je travaille. Ces deux rangs, c'est les deux rangs que vous allez répéter. Pour faire votre couverture, votre couverlet, ce que vous voulez. Voilà, regardez, on a fait le coin. On a fait 12 doubles brides séparées, 4 par 4 séparées par une maille chaînette. Là, on s'est déplacé sur le côté. Et on a fait, au même endroit, on a fait 4 doubles brides, une maille chaînette, 4 doubles brides. Et on va faire, sur la maille serrée du rang précédent, vous voyez, elle est là. Donc cette maille serrée, je vais faire une maille serrée. Et je vais refaire la même chose que ce que j'ai fait sur le coin. Sur le coin, on va travailler comme ici, et sur le côté, comme ici. D'accord. Donc, vous faites de tourner le fil deux fois sur le crochet et vous commencez dans cet endroit-là. Ici, c'est plus visible. Regardez. Il est là, le point. Il est juste là. Vous allez travailler. Et ici, regardez, quand vous tirez les fils, c'est ce point-là où vous allez travailler vos doubles brides. Donc, voilà, je fais je tourne les fils deux fois et je vais faire mes 12 doubles brides. Vous continuez comme ça jusqu'à la fin et on se retrouve. Voilà, j'arrive à la fin de mon rond. Donc, j'ai fait ici 4 mailles chaînes, 4 doubles brides séparées par une maille chaînette. 4 doubles brides ici sur le côté. Et là, je vais sur la maille serrée du rond précédent et je vais faire une maille coulée. Je coupe mon fil. Après, vous cacherez les fils avec une aiguille. Voilà. Donc, maintenant, on va recommencer, il faut recommencer le rang 3 et 4. Le rang 3, on avait fait les 4 doubles brides, vous vous rappelez. On s'insère sur un coin ici, sur ces 4 brides-là, ces 4 doubles brides-là. On va s'insérer ici sur la première maille chaînette du coin, ici. Donc on va aller ici avec le crochet et la couleur, la nouvelle couleur, parce qu'on a dit chaque deux rangs on change de couleur. Donc on introduit le crochet ici et on va travailler les doubles brides réunies ensemble et travailler et enveloppées par derrière. Vous vous rappelez? Et ici sur les côtés, ici et ici maintenant, on va travailler 8 doubles brides réunies ensemble et travailler et enveloppées par derrière aussi. Devant. Donc ça va se faire deux fois ici maintenant. Deux fois et on arrive sur les 4 là, sur les 4 là, et on va les travailler les doubles brides enveloppées par derrière et réunies ensemble. Et on n'oublie pas les 5 mailles chaînettes qui enveloppent les 4 brides là et les 8 brides là.
des 5 mailles chaînettes des deux côtés. Voilà, ça va être le travail. Je vais commencer avec vous. Je change de couleur encore. On commence, je fais un nœud. Et voilà, sur n'importe, vous allez sur, ici, c'est ce fil-là, je le cacherai, on le cachera après. Donc, je vais sur n'importe quel côté, quel angle, et je vais, par exemple, sur celui-là, je laisse 4 brides, et sur la première maille chaînette, j'introduis mon crochet, et je vais nouer. Ensuite, je fais une maille chaînette et une maille serrée. Je fais ensuite 5 mailles chaînettes et je commence par envelopper ces 4 doubles brides ensemble. Et je vais les réunir à la fin ensemble. Donc, vous commencez par envelopper vos doubles brides par derrière. Et vous ne les finissez pas. Donc, voilà, j'ai fait mes 4 brides, je fais un jeté et je les réunis. Maintenant, je vais faire les 5 mailles chaînettes et je vais sur la maille chaînette suivante, je fais une maille serrée. Vous voyez, pour rappeler, on l'avait déjà fait ici. Donc, on commence. Maintenant, on va travailler les 8. Ces 8-là, les 4-là et les 4-là, entre ces deux mailles chaînettes, vous travaillez les 8. Et vous les enveloppez par derrière et vous les réunissez ensemble. Ensuite, vous faites vos 5 mailles chaînettes à la fin, après les 8 brides, après les 8 doubles brides, vous faites 5 mailles chaînettes et vous faites là, vous entrez là et vous faites maille serrée. Et ainsi de suite jusqu'à la fin, jusqu'au nombre de couleurs que vous voulez. Voilà, à la fin, vous allez obtenir une jolie couverture dans ce genre, très jolie, et selon les couleurs que vous aimez, que vous allez choisir vous-même. Donc voilà l'échantillon qu'on a travaillé ensemble. Moi, pour cette couverture-là, j'ai utilisé ce fil qui est fin, c'est du coton mercerisé. J'ai utilisé 2 brins, j'ai travaillé sur 2 brins. Voilà, regardez, sur 2 brins, et ça a donné ce résultat. Voilà, notre vidéo aujourd'hui est terminée. J'espère que vous avez compris mes explications et que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, un like, de laisser un petit commentaire. Et je vous retrouverai dans une autre vidéo, Inch'Allah. À la prochaine.